Bonjour, bonjour à tous, c'est Camille de French Today. Et donc, je suis à Paimpol, en Bretagne. Et vous me voyez pour une petite vidéo live où je vais donc vous parler en utilisant le français de tous les jours. Mais je n'ai rien préparé. Alors, aujourd'hui, c'est un jour très spécial à Paimpol. Car le Tour de France, et oui, le Tour de France passe à Paimpol, et vous voyez derrière moi, eh bien, pour l'occasion, Paimpol s'est décoré, a décoré ses rues de vélos. Et donc, voilà, je voulais vous faire partager un petit peu cette journée absolument fantastique. Donc, on va commencer par le vocabulaire du vélo. Donc, pour dire vélo, vous avez deux mots principaux, le vélo ou la bicyclette. Quelle est la différence? Eh bien, un vélo, c'est le terme un petit peu plus moderne. Par exemple, vous allez parler d'un vélo de course, vous n'allez pas parler d'une bicyclette de course. Voilà, donc tous les termes techniques sont autour du vélo. Et sur French Today, bien sûr, je vais mettre un lien à un article avec tout le vocabulaire du vélo pour vous enseigner les différentes parties. Par exemple, ici, vous avez les roues, bien sûr, les roues du vélo. Et puis, le cadre du vélo. Pour conduire, eh bien, ça s'appelle un guidon. Voilà, un guidon. Les pédales pour pédaler. La chaîne qui relie tout ça et qui quelquefois déraille. Voilà, vous avez tout ça sur French Today. Maintenant, je vais me dépêcher, je vais retourner sur le port. J'ai la chance d'avoir ma grand-mère qui habite sur le port et je vais essayer de prendre en vidéo l'arrivée du Tour de France, enfin le passage du Tour de France à Paimpol. Et voilà, là je suis sur le port de Paimpol et vous voyez, les gens commencent à se rassembler pour voir l'arrivée du Tour. Nous avons de la chance parce qu'il ne pleut pas et il a beaucoup plu ces derniers jours. Donc c'est pas mal, voilà. Et donc tout à l'heure, les cyclistes vont arriver. Donc un cycliste, c'est quelqu'un qui fait du vélo. Le sport d'ailleurs s'appelle le cyclisme. Il y a des gens partout, donc je fais un peu attention. C'est pas très facile de vous parler, de filmer et de ne pas tomber. Accident à Paimpol, une folle tombe dans le port parce qu'elle est en train de faire une vidéo. Voilà, et donc vous voyez, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont réservé leur place dans les différentes crêperies, puisque bien sûr la Bretagne est connue pour ses crêpes. Mais moi j'ai beaucoup de chance parce que là-bas, vous voyez tout là-bas, il y a l'appartement de ma belle grand-mère. Elle est belle, bien sûr, mais je l'appelle ma belle grand-mère parce que c'est la grand-mère d'Olivier, en fait. Et donc, son appartement est juste là et nous allons donc avoir une vue imprenable sur le passage du Tour de France, puisque les vélos vont passer zoup, 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 très, très vite, je pense. Donc voilà, je rentre et puis, regardez! Coucou Christine! Voilà, je vais être là, ça va être très sympa. Et eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, la cuisinière, les cuisinières. Regardez où je suis avec Geneviève et Christine, bien sûr. Vous les connaissez déjà en photo. Et je traverse, je suis dans une suite VIP, n'est-ce pas? Ici, nous avons Didier et Olivier. Coucou! Voilà. Et le chien là-bas qui se balade. Voilà, regardez tous les petits apéritifs que nous voulons. Et maintenant, on avance ici. Et regardez, voilà, nous sommes absolument parfaitement situés devant le port de Paimpol. On va voir les cyclistes passer. Et moi, je vais boire un verre de vin en attendant. À tout de suite. Et voilà, maintenant, vous avez la parade. Dans la boule d'envoi, le magnifique de bois. Allez, allez, je vous en prie.
Vous voyez, les voitures jettent des cadeaux et les gens les ramassent. Coucou tout le monde! En attendant l'arrivée des cyclistes, nous avons donc le plaisir de voir ce qu'on appelle la caravane, avec tous les chars des différents sponsors du Tour de France qui jettent des cadeaux à la foule en délire. Après le passage de la caravane, on a juste eu le temps de déjeuner. Geneviève nous avait préparé un repas délicieux. Et voilà, on les attend. Ils vont être là d'une minute à l'autre. Malheureusement, il commence à pleuvoir un petit peu. Donc, j'ai mis mon imperméable. Mais bon, je pense que ça va les rafraîchir. Ça ne va pas trop les gêner. Et on va les voir très, très, très bientôt. Et voilà, restez avec nous. Là, ils arrivent au rond-point de la rue. Ils sont à la rue Déco. Voilà, ils vont arriver très très bientôt. Donc, on attend avec impatience. C'est trop. Vous voyez, il y a pas mal de monde. Wouh ! À Paimpol. C'est chouette. Et les bateaux, par derrière. On est vraiment aux premières loges. C'est une expression pour dire dans les meilleures places du théâtre. Aux premières loges. Alors, les voilà, vous allez assister en direct à l'arrivée, enfin pas l'arrivée, mais le passage. Wouhou ! Wouhou ! C'est vraiment formidable de voir ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable pour Paimpol. Et donc, dans la description, je vais vous laisser eh bien, tout le vocabulaire sur le vélo. On a un bel article sur French Today. Et je vous dis à très bientôt sur French Today. Au revoir.